Ouais, c'est parti sur ce 950 mètres. On est mal parti avec Monsieur Mel. Hein. Ça risque d'être difficile ensuite pour lui. Bien parti avec Romantic Angel, le numéro 1, avec également l'autre Kazakh bleu, celle de CS6, le 3. Et puis côté corde, on a également Gunabedun et Gore qui viennent parmi les mieux placés, ainsi que Munazan. Ouais, Gore qui a l'avantage, le numéro 7 avec Romantic Angel. Ensuite, à deux longueurs, c'est Munazan, le 6 avec le 3 et puis le 5 en difficulté. Monsieur Mel aussi, d'ailleurs, est battu Picata, le 4, semble-t-il. Le tournant finale avec le Gore, le numéro 7 qui est débordé par l'As Romantic Angel avec Munazan qui vient en troisième position. Ça devrait jouer entre ces trois-là. L'ultime à droite avec pour l'instant Romantic Angel, l'As qui a l'avantage. Munazan qui a déboîté maintenant, qui va essayer de finir fort en dehors au même titre que Picatoc qui est à l'arrière pour l'instant. Et c'est surtout Black Isle Boy qui vient tout à l'extérieur. Munazan, Black Isle Boy et côté corps le numéro 7 qui se défend bien Gore. Gore va peut-être résister au numéro 5 Black Isle Boy, mais Black Isle Boy a fini très vite, David. Moi je pense qu'il a gagné. Ce numéro 5, Black Eye Boy, c'était un très bel outsider donc, qui s'impose devant le numéro 7.